Yo! Ça va? Ça va, boss? T'explique, bah déjà, j'ai pris la trinité du planeur. Et franchement, j'avais déjà pris une formation avant. Donc le pack des trois formats. Ouais, le pack des trois formats quand t'avais fait la réduction à 50 là. Eh les gars, on a un Yonkli, client. Je tiens à préciser qu'avec mon partenaire MaxiSport, on organise un concours. Donc si vous passez une commande sur leur site internet, vous serez éligible à mon concours pour tenter de remporter mon pack de formation, la Trinité du Top Laner. Pour cela, il vous suffira juste de m'envoyer un message sur Instagram avec la capture d'écran de votre commande et vous serez éligible au concours. Non, je rigole. J'avais déjà pris des formations avant. J'avais pris la méthode Kazé, enfin, on me l'avait donné plutôt, mais... Et franchement, genre, la méthode, elle est... pas lourde, tu vois, genre c'est monté, c'est dynamique et tout, donc franchement c'est facile à suivre. Du coup bah je fais mon retour, tu vois, elle est vraiment bien bien faite, donc j'ai appris pas mal de trucs. Le problème c'est que j'ai toujours un petit problème. En gros, moi je joue des briseurs, donc je joue en fait je joue que Darius quand je peux le pick. Oui. Et le problème c'est qu'en général dans ma laning phase j'ai beaucoup de problèmes. En middle game c'est pas trop, j'ai pas trop de soucis en général, j'arrive à bien jouer, etc. Mais dans ma laning phase, en fait, à chaque fois, je me fais... Dès que j'essaye de faire un truc avec les waves pour essayer de freeze ou quoi, je me fais poke à la mort, je me prends des tétatanes et j'arrive pas à garder ma lane, en fait. Après, je suis low et je me fais tabasser. Alors que normalement, avec... As-tu eu le temps de visionner les trois formations? Non, pas encore, là. Là, je suis... J'ai fait la gagner top lane en 6 minutes et je suis à la moitié des trois piliers de la top lane. Des piliers? Alors, attends. T'es au chapitre 3, attends, merde. Jungle tracking. Ah ouais. Ouais, bah en fait, ce que t'es en train de me parler, ton problème, il est réglé dans chapitre 4, compétences avancées, chapitre 5, planification, et chapitre 6, early game. Donc en fait, c'est pas de chance, tu viens me poser la question alors qu'il y a trois chapitres qui vont littéralement régler ton problème juste après. Vas-y, nickel alors. Mais après que t'auras visionné ces trois chapitres-là, t'as toujours un problème, tu viens me voir. Vas-y. Mais et normalement, je pense qu'avec ces trois chapitres-là, t'auras plus aucune question. Vas-y, nickel. Et j'ai une petite question rapide. Quand t'avais parlé des champions de pool, etc. Ouais. Donc moi, faut savoir que de base, je regarde beaucoup les lives de WoW, etc. Et du coup, j'ai un peu... Enfin, je joue à peu près les mêmes champions que lui. Je joue Darius en principal. Et ou alors c'est Jax Olaf. En fait, on va dire qu'avec Jax, j'arrive à rien faire. Et je pense, j'ai compris qu'il n'est pas fait pour moi. Mm-hmm. Et vu que, on va dire que Breezer, c'est un peu entre carry et tank, je me dis, est-ce que genre intégrer, je sais pas moi, un AP genre Gwen, parce que j'aime vraiment bien Gwen, ça pose problème, ou en vrai c'est fine vu que Breezer c'est un peu mélange de carry et tank? Non, c'est fine. Je sais pas si c'est fine. Si t'aimes, t'es bon dessus, je vois pas pourquoi ce serait pas fine. Bah vas-y, bah c'est juste ça en fait. Ok. Bon attends, je te prends en otage moi par contre. Que en plus toi t'as pris le pack avec les trois formations, donc t'as vraiment pris la totale. J'ai pas encore tout vu, mais... Ouais, t'as... C'est quoi que t'aimes? Enfin, c'est quoi qui t'a été surtout utile? C'est quoi qui t'a aidé à progresser en fait? Déjà, le fait que dès le début de la top lane dans 6 minutes, tu dises un peu ce qu'il faut. En fait, le truc, le problème de la méthode Kazawa par exemple, je vais faire comme ça, je vais fonctionner comme ça. Je vais avoir des problèmes moi. Ah, c'est mon avis, c'est pas toi. En gros, moi, je l'ai reçu gratuitement. Vas-y, ça coûte 300 balles, tu vois. Vas-y, c'est passons. En gros, le problème, c'est que c'est des vidéos pas montées qui durent à chaque fois 40 minutes, enfin presque une heure des fois. Et c'est un peu trop brut dessus, pour toi. Ouais, voilà, c'est un peu trop brut. Et surtout, c'est plus des concepts genre. Il nous dit c'est quoi freeze, il nous dit c'est quoi slow push et tout. Et vas-y, moi je sais déjà ce que c'est en fait. Genre quasiment tout ce qu'il y avait, je savais déjà ce que c'était, tu vois. Il nous apprend un peu la théorie, mais c'est flou, je sais pas ce que je dois faire. Genre. Alors que par exemple, avec la formation la top in 6 minutes, bah, dès le début, on sait ce qu'on veut faire en top. On sait qu'on... Bah, je vais pas te dire, t'as gâté, mais... Bon, c'est le titre, on t'inquiète. Sait ce qu'on veut faire. C'est le titre, on peut le dire. La première vidéo, c'est la stratégie slow push into boon sur le freeze. Bah ça, tu vois, avec la méthode Kazé, jamais je l'aurais deviné, en fait. Alors que là, bah, ça m'a pris 30 minutes. J'ai regardé toute la formation et non, je connais tout. Bon, bah écoute... Voilà. Tu me diras, après avoir vu les piliers du top laner et surtout les secrets du wave management. Les secrets du wave management, alors si t'aimes le montage, les secrets du wave management, tu vas bien kiffer. Ah, ça dynamise, c'est plus facile à suivre. Tu vas bien kiffer. Normalement, il faut commencer par pilier du top laner, wave management et gagner sa top lane en 6 minutes. Bah, j'ai fait l'inverse. Ouais. Bon, ça me fait plaisir. Ça, c'est le genre de détail que moi, je fais attention. Franchement, c'est bien. On a un monteur, là, depuis la formation wave management, il y a un monteur à temps plein sur tout le contenu payant. Bah, c'est nickel. Bon, bah écoute, bonne continuation à toi. Et si t'as une question sur l'information, tu me DM sur Potia. Vas-y, bah bonne soirée. Bonne soirée. Peut-on voir un extrait des formations? Avec plaisir. Vous voulez voir laquelle? J'ai les secrets du wave management. J'ai les plis du top laner, le secret pour carrer en top lane.
et j'ai gagné sa top lane en 6 minutes. Il n'existe plus le pack La Trinité du Top Laner. Il existe, mais il est caché. Le lien est seulement disponible via la formation gratuite. Tu vas sur la formation gratuite, tu vas dans Outro. Le pack est disponible et il y a moins 30% dessus. Putain, je vais devoir leak mes parties professionnelles. Bon, je vous montre un extrait. Tout d'abord, il faut comprendre le pick du Olaf. Pourquoi ai-je pick Olaf dans cette composition? Ah, c'est les vrais bails, ça. C'était une game professionnelle, hein. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Tout d'abord, mon équipe m'a laissé le counterpick. Ce cadrage magnifique n'est pas de ma faute. Ça veut dire bisous, que le dernier. Monteur. J'ai été le dernier joueur à pouvoir sélectionner mon champion dans cette partie. Donc, pourquoi ai-je fait le choix du Olaf, par exemple, contre leur composition? Jax était open, je me rappelle que Gwen était open. Eh ben, regardez, j'analyse ma composition. Je vois que eux, ils ont un bon 5v5. Ok. Nous, déjà, notre 5v5 est un peu brouillon. Vous voyez qu'on a des champions comme Lee Sin. Et puis je regarde au carry, on a Orianna Zeri. Ça a besoin de temps. Bon les gars, je suis plus là. Le problème, c'est que Jax a très peu de valeur contre la composition en face. Vous voyez que par exemple, Jax n'a pas de valeur avec sa Counter-Strike contre la composition en face. Donc, c'était ce que je m'étais dit. En plus de ça, pourquoi ne pas pick par exemple un champion comme Gwen, qui en soi serait excellent contre leur composition, puisque ça me donnerait une possibilité. Bon, je me cache. Sideline contre Sejuani et Wukong, et en plus de ça, ça me donnerait une possibilité de teamfight. Et bah encore une fois, regardez, j'ai déjà deux carries qui mettent beaucoup de temps à scale. Donc je n'allais pas pick un carry qui, en plus de ça, met du temps à scale. Mon but dans cette game, c'est je pick Olaf et je dois avoir un lead en laning phase pour pouvoir faire une passerelle transitoire. Qu'est-ce que je veux dire par passerelle transitoire? C'est-à-dire que je veux gagner mon early game pour pouvoir ensuite acheter du temps à ma Orianna et à ma Zeri de scale. C'est ça mon objectif. Et pour ça, j'ai besoin de gagner ma laning phase absolument. Parce que j'ai un match-up positif. Et que si je ne gagne pas ma laning phase, dans tous les cas, je vais me faire outscale par leur composition. Et je ne vais pas pouvoir gagner assez de temps pour moi, Orianna, et pour ma Zeri. Donc ça, c'est mon objectif numéro 1. Donc on va utiliser le plan, comme je l'ai énoncé au début de la vidéo. Voilà les amis. Vous venez de voir un court extrait des formations que je vous propose. Venez me rejoindre dès maintenant sur Podia pour découvrir ma formation gratuite pour établir vos plans de jeu. Ainsi que les formations et les piliers du top laner, gagner sa top lane en 6 minutes et les secrets du wave management. Elles sont toutes en solde en ce moment et disponibles dans la description. Alors n'hésitez pas, bisous. Vous avez eu votre dose d'extrait. Et ça fait pas 6 minutes, non mais... Connard ! Il y a 3 heures de contenu sur la formation. Gagner sa top lane en 6 minutes. Ça veut dire qu'en fait, c'est 3 heures de contenu de 0 à 6 minutes de jeu pour pouvoir gagner ta game. Enfoiré, va. La formation dure pas 6 minutes. C'est pas possible, ils ont rien compris, ceux-là. Yo. Salut, du coup, moi je commence le jeu, tu vois. Et tes vidéos YouTube, elles sont super parce que ça permet de prendre des bonnes habitudes dès le début quand on commence, c'est cool. Et sauf qu'il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est bah, tu vois, même toi, ça t'arrive forcément de. Tu gagnes pas tout le temps ta lane ou t'es pas forcément en avantage en lane. Je comprends pas les principes généraux, justement, quand bah, on a fucked up, quand on a perdu notre lane, comment s'en sortir pour gratter quand même. Bah, tu limites la casse, tu prends les CS que tu peux et tu meurs pas. Ok, ok. C'est les seuls trucs à peu près. Tu prends les CS que tu peux, tu meurs pas, et c'est tout. Et tu essayes de match ton vis-à-vis. Ok, ok. Bah, merci, c'était simple. Pas de soucis, passe une bonne soirée. Merci beaucoup pour tes streams et tout, tes vidéos. Avec plaisir. Tu conseilles de prendre laquelle de formation? Je te conseille de prendre soit le wave management, soit les piliers du top laner. Gagner sa top laner en 6 minutes, ce serait pas le premier produit que je conseillerais. Allô, boss. Ouais, salut, chef. Ça fait plaisir de t'avoir déjà. Merci. Alors moi, j'avais deux petites questions. Je suis D1, D2 actuellement. Je n'ai pas énormément de games, mais j'essaie quand même de grind mon master. Oui, et chef. Je joue principalement Garen. Oui. Et là, dans ce que tu dis, dans gagner la top lane dans 6 minutes, j'ai pas personnellement pas acheté ta formation. Mais quand tu vois un sous-champion un peu qui est Garen en early game, à part se faire dominer et juste prendre tes 16 sous la tour dans la plupart des matchups négatifs, c'est quoi le plan, genre? Mentalité de loser. Alors oui, en jouant Garen, tu peux pas faire 15-0 comme tu peux le faire avec Olaf. Mais ce que vous avez pas compris les débutants, c'est que en réalité dans League of Legends, la laning phase est définie sur les 4 premières waves. C'est-à-dire que si tu ne hintes pas, si sur les 5 premières minutes de jeu, tu as un bon plan de jeu et tu l'accomplis, tu as tout gagné. Et donc notamment avec Garen, ça va être pouvoir jouer la game et pouvoir scale.
ce qui est tout ce que tu veux avec Garen. Car en réalité, avec Garen, tu n'as pas besoin d'être en 30-0 à 5 minutes de jeu. Tu as juste besoin d'être au minimum even. Ouais, être even, je suis d'accord, sur Garen, c'est gagner sa lane. Mais quand tu tapes, je sais pas, des Akshan, je me tape Akshan, je me tape Darius. Non, t'es pas assez bon. C'est pas une question d'Akshan, c'est pas une question de Darius. C'est une question, oui, mais Akshan, ok, oui, mais Akshan, c'est un range. Et pour jouer un range, il faut du skill. Quand on joue un range et qu'on n'a pas de skill, on n'arrive pas à avoir un lead, on perd. Ouais. Je vois l'idée, après c'est la théorie, mais mettre en pratique... Ouais, mais il n'y a pas de théorie quand déjà tu penses que c'est pas possible. Non, je pense pas que c'est pas possible, mais je pense que quand je vois la réalité et que c'est normal que, la, entre guillemets, dans cette méta, la top lane soit weak side et que... Arrête de parler de faire le plan de jeu, tu parles des 4 premières waves, c'est gagné, mais quand une game, voire 2 games sur 3, tu te fais dive Non, level 3, 4. Bon allez, je suis obligé de te sortir là, tu nous racontes des conneries. Shut the fuck up. Je suis obligé, non. Allez, si vous venez dans ce vocal et que vous commencez à me sortir la Zumba du top laner de mauvaise foi, c'est dehors. Allez, ciao.